La zone d'intervention du projet PPRR regorge d'une multitude de produits agricoles. Les filières se sont développées autour des produits destinés au marché local et international. Avec l'arrivée des centres d'accès au marché, les producteurs ont compris les avantages de la coopération au niveau local et des stratégies de commercialisation. C'est une situation gagnant-gagnant, même pour les collecteurs qui choisissent de travailler avec les entreprises d'exportation reconnues. Pourquoi les paysans ont facilement accepté ce système? C'est parce qu'ils sont conscients de ce problème de commercialisation et ils savent aussi que s'ils travaillent directement avec les exportateurs, ils bénéficient des avantages, surtout au niveau du prix, au niveau des informations, au niveau des qualités même exigées par le marché. Le centre paie le producteur 10% de plus que le prix du marché. C'est possible car le CAM a en effet remplacé l'intermédiaire de la filière. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les échanges sont transparents et en plus de gagner plus de la vente de leurs produits, les producteurs sont dans une position de négociation plus forte. Petit à petit, et grâce au PPRR, le producteur rural devient économiquement indépendant. L'élimination de l'intermédiaire a permis d'augmenter les bénéfices et les usuriers ont de moins en moins de clients. Nous misons les ouais, t'as dit quoi, usuriers ou autre. Mais la voule les houle, amleftona il a nenzan. La force des producteurs qui travaillent ensemble et la garantie de la vente fournit au producteur la sécurité dont il a besoin pour penser à investir. C'est pour cette raison que l'accès aux services de crédit était un autre élément important du PPRR. Les objectifs du projet étaient de fournir l'accès aux services financiers, les services devaient offrir une gamme de produits de crédit et d'épargne, et un appui particulier devait être accordé pour le financement d'activités agricoles. Et ces producteurs nouvellement encouragés sont maintenant des clients valables pour le service bancaire appuyé par le PPRR, Lotive. Lotive appuie un grand nombre de clients de diverses façons. Les services bancaires sont fournis aux organisations paysannes et aux groupements qui planifient des mini-projets pour générer des revenus. Les services bancaires sont fournis aux organisations paysannes et aux groupements qui planifient des mini-projets pour générer des revenus. PPRR, ma PPRR, j'ai une promotion des revenus ruraux, des aïe, pas match voula, des mis, ni voula, tantsa, marmaroua. Miaramiasa amin'ny PPRR no mpikambana ato amin'ny Lotive azonay atao tsara ny mamatsy vola ny zavatra io satria miankina amin'izay lafi ny ara-bola izay no tena manahirana ny tantsaha amin'ny ankapobeny satria be dia be ny herim-po sy ny fahaiza-manao ananan'izy ireo nefa eo amin'ny lafi ny vola no manahirana anazy. Le PPRR et Lotive travaillent ensemble. Non seulement ils aident les producteurs à former leurs organisations, mais aussi ils les conseillent pour planifier leurs mini-projets. Ces mini-projets ne sont pas toujours agricoles, ils doivent seulement être viables. À la fin de la phase 1 du projet, le PPRR avait appuyé 144 mini-projets, ce qui représentait 1372 bénéficiaires. À la fin du projet, ces chiffres atteindront 1632 mini-projets, appuyant 16320 bénéficiaires. Ce ne sont pas seulement les organisations paysannes qui sont appuyées, mais aussi des coopératives et même des villages entiers. Je suis une coopérative pour Manganajafo. J'ai vendu une fichambana à une psychofolo à tenir Paul Léajafo. J'ai un parité qu'on a tenu comme une dîme. J'ai vendu qu'on a tenu Paul Léajafo. Il y a une coopérative pour Manganajafo. C'est un cabiage qui est un motif. Nous, nous avons une coopérative. Nous avons une coopérative. Nous avons une coopérative. La banque offre une variété de services dont le but est de réduire la pauvreté des producteurs ruraux. Les grandes coopératives et les projets bien organisés sont évidemment dans une situation avantageuse. Mais il y a d'autres façons pour le petit producteur de bénéficier des liens entre le PPRR et Lotive.
Par exemple, le stockage des produits non périssables dans un GCV comme le riz. Cette forme de système de reçu pour les entrepôts est une forme courante de crédit dans les zones rurales comme celle-ci, qui donne aux paysans l'accès au crédit ainsi que la possibilité d'augmenter le prix de leurs produits. D'autres filières ont pu en bénéficier de manière la plus simple. En tant qu'organisation, le FMMM a pu faire une demande de financement pour acheter des filets améliorés leur permettant d'attraper de plus gros poissons qui avaient plus de valeur. La création des associations et des partenariats a même rendu possible les choses les plus petites qui peuvent avoir un impact majeur sur la vie des producteurs. Avant la fin de la phase 1, les mini-projets couvraient toute une gamme d'activités. L'apiculture, la pisciculture, le piment, le maraîchage, l'élevage de porcs, les huiles essentielles, la pêche maritime et beaucoup d'autres encore. Ces chiffres augmenteront d'autant plus que la confiance des producteurs augmentera au vu du succès des autres. Tout comme ces chiffres vont augmenter, les bénéfices des producteurs ruraux de la région du PPRR, eux aussi, s'amélioreront. D'un point de vue économique, la fin de la phase 1 a vu la création de 7 points de services de microfinance qui comptaient 6 000 membres, dont 1 857 étaient des femmes.